Salut les gones, salut les phonotes. Je sais pas si on me voit bien. J'ai que des problèmes d'ordi, ça me pète les couilles, vous savez très bien. Voilà, je parle mal, bah c'est comme ça. Je sais pas ce qui se passe. Alors, est-ce que vous me voyez bien dans le chat? J'espère que tout le monde va bien. Voilà, petite vidéo mercato. Bah parce que ça a bougé un peu aujourd'hui. Voilà, ça bouge un peu, donc je fais une petite vidéo mercato, puis j'ai décidé de la tourner en direct, celle-là. Voilà. Donc, bah ça y est, le pénant est là, messieurs. Et oui, le pénant, je l'avais dit dans mes vidéos, et il arrive. Voilà, donc ça a été confirmé par Jean-Michel Aulas en personne. Donc, c'est pour moi une bonne chose, parce que je ne pense pas qu'il vient pour jouer titulaire, mais il vient. Il vient renforcer le milieu. On me dit qu'on me voit flou, alors je suis désolé. Bah voilà, connexion de merde comme d'habitude. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Désolé. Renforcer le milieu, un joueur vif, un joueur qui me fait penser un petit peu à Cacré. Donc c'est bien. Il signerait pour 6 millions d'euros. Donc c'est aussi une bonne chose qu'il vienne signer chez nous. On passe à une autre rumeur, messieurs. Juju, la connexion, faut investir. Mais si c'était que ça, je claque 1000 balles, mon pote. Hein. 2000 même pour avoir une bonne connexion. Je te jure, hein, je claque 2000 balles hein, pour avoir une bonne connexion. Facile, hein, sans problème. Hein. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai pas de connexion, j'ai pas de flux extérieur. Bon, on continue. Désolé pour la connexion. On a cette rumeur qui nous sort aussi. Alors, je ne sais pas si vous allez bien la voir. Takumi Minamino. Voilà, joueur japonais, attaquant. Voilà, joueur qui joue peu. De Liverpool qui joue très très peu. Alors apparemment on serait intéressé par ce joueur, joueur estimé à entre 10 millions et 15 millions. Monaco serait dessus aussi, un joueur polyvalent devant. Je peux pas vous parler de lui, je l'ai trop vu jouer, ça sert à rien que je vous raconte la messe, mais voilà. Voilà, c'est comme ça. Un joueur qui nous intéresserait. On passe rapidement au départ parce que c'est un petit peu les bonnes nouvelles. Oussem Aouar, qui apparemment aurait des touches très très fortes avec Arsenal. Alors, j'ai pas d'infos. J'aimerais beaucoup qu'il dégage. Et il y aurait aussi l'AS Roma qui le voudrait. Bon, il suffirait juste qu'il regarde les matchs pour qu'il ne le prenne pas. Mais espérons qu'il n'ait pas vu les matchs. Voilà, on va espérer un départ d'Aouar très très fort, je vous le dis tout de suite. Je ne vais pas sabrer le champagne parce que je connais le talent du joueur, mais vraiment, s'il pouvait partir, ça serait vraiment bien. Donc voilà, les rumeurs Oussem Aouar qui reviennent sur un départ. Il y a aussi Séville qui serait intéressé par Aouar. Donc Aouar, je récapitule, Séville, Arsenal et Roma. Aulas annonce 3-4 arrivées rapides, donc en plus de Le Pénant. Il y a la rumeur Eric Bailly qui est revenu sur table, estimé à 10 millions d'euros. Eric Bailly, ça fait quelques années qu'on le veut. Je pense que c'est plutôt des rumeurs d'agents, défenseur central. On a une rumeur qui nous vient tout droit aussi, donc défenseur central de Manchester. On a une rumeur qui nous vient tout droit aussi de du Brésil, un certain Duqueiroz. Voilà, milieu défensif. Une rumeur qui ne me surprend pas parce que c'est un poste qu'on n'a pas, un pur 6. Voilà, je ne vais pas vous dire Julien, je regarde, il nous vient des Corinthians, vous y regardez Duqueiroz, voilà, joueur des Corinthians, un pur milieu défensif. Je ne sais pas si ça va se faire ou pas, mais il serait apparemment, on aurait des touches. Il y a des Jets aujourd'hui qui ont fait, enfin hier, qui ont fait direction le Brésil, Rio de Janeiro. Donc j'en ai aucune idée si ça va se faire ou pas. Hein. Ce que je vous dis, c'est les rumeurs du jour. Voilà, donc Duqueiroz, milieu défensif. Et du coup, Eric Bailly, voilà les rumeurs qui ressortent. Takumi Minamino, voilà, qui joue très très peu, mais bon, qui a bonne presse au vu, bonne presse des supporters en tout cas. Voilà, en termes de rumeurs, voilà, c'était la petite vidéo.
petite vidéo petit format. Je suis absolument désolé pour cette qualité médiocre. On remerciera la connexion en 2022. Voilà, j'ai pourtant mis en 4G, hein, pour ceux qui me disent t'as pas mis en 4G. Si, j'ai mis en 4G. Voilà. Des rumeurs pour Tolisso. Alors, je vous la balance, la rumeur, parce que bon, j'ai rien à cacher. Ça fait déjà plus d'une semaine qu'on m'a dit qu'apparemment Tolisso s'était fait. Ce n'était que. Apparemment, c'était fait. Voilà, ce serait que du papier. Est-ce que c'est vrai, pas vrai? J'en sais rien. Est-ce que mes informateurs, ils me flûtent ou pas? J'en ai aucune idée. Donc, apparemment, ce serait fait avec Tolisso. Voilà. Bon. Autant Le Pénant, j'avais des infos un peu aussi. Tolisso, bah, j'ai eu l'info aussi. Donc, bon, on va voir. Hein. On va voir si ça marche ou pas. Voilà, je vous le dis. Mais bon, ça fait déjà une semaine. Hein, et je vois rien qui est officiel. Ça fait plus d'une semaine qu'on me l'a dit. J'ai rien à cacher parce que les personnes se reconnaîtront qui me l'ont dit. Hein. Moi, je ne suis pas en direct avec la personne. C'est quelqu'un qui me l'a dit. Voilà, messieurs, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je suis désolé de cette qualité pourrie, c'est pas ma faute. Et je vous dis à très vite. Grosse, grosse vidéo, grosse émission. Et j'espère que j'aurai pas ce problème de connexion. Samedi 15h en direct avec toute l'équipe, messieurs. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et surtout, n'oubliez jamais, l'Olympique Lyonnais, bah, ça a l'air de prendre un très bon chemin sur le mercato. Ciao les gones, ciao les fenêtres, ciao. Et les pouces, je les connais pas.